Pas JB. Bienvenue sur la chaîne de judo Etrepani. Avant toute chose, il me semble nécessaire de vous préciser ce que n'est pas cette chaîne. Sur cette chaîne, vous n'apprendrez pas le judo. Il existe des clubs de judo avec des profs diplômés qui exercent dans des dojos et c'est là qu'on apprend et qu'on pratique le judo. Comme par exemple le club d'Etrepani, dans lequel je pratique pour ma part. Je vais en profiter pour me présenter. Je m'appelle Sébastien, je pratique le judo depuis 1984. Je suis actuellement Nidan, ou ceinture noire, deuxième Dan, et je suis assistant club dans le club d'Etrepani. Et je souhaite partager avec vous la passion du judo qui anime les judokas du club d'Etrepani. Pour moi, c'est bon pour l'instant, on a fait le tour. Et bien, puisque vous savez désormais ce que n'est pas cette chaîne, je me propose de vous expliquer ce qu'elle est. Cette chaîne, elle est née d'une idée, simple. Je voyais les plus jeunes judokas, débutants, peiner à retenir les noms des techniques, peiner à retenir les petits rituels, et puis aussi à reproduire ce qu'ils avaient vu en cours. Cette difficulté s'ajoutait au fait que les parents n'ont pas tous fait du judo dans leur jeunesse, voire n'en pratiquent pas actuellement. Donc le but premier de cette chaîne va être de répertorier les comportements à avoir au dojo, ainsi que les techniques de base, afin que chacun puisse se repérer, se retrouver plus facilement dans tout ce jargon qui, précisons-le, est en langue étrangère puisqu'il s'agit de japonais. D'ailleurs, en parlant de cela, vous aurez remarqué peut-être déjà depuis le début de cette petite présentation, certains mots vous ont peut-être échappé. Eh bien, ça veut dire deux choses, vous n'êtes ni japonais, ni judoka. Ce n'est pas grave, la prochaine vidéo qu'il y aura sur cette chaîne aura pour but justement de vous présenter le vocabulaire de base. Ne soyez pas effrayés, même nos plus jeunes judokas réussissent à intégrer ce vocabulaire sans grande difficulté. On revient toujours sur les mêmes notions, sur les mêmes mots, et ça rentre tout seul. Donc, nous verrons ça tranquillement sur la prochaine vidéo. Mais le judo, ce n'est pas que ça. Non, le judo, c'est aussi une culture judo, et nous vous la présenterons dans différentes vidéos au fur et à mesure que cette chaîne grandira. Et puis, nous essaierons aussi d'agrémenter notre chaîne de quelques interviews de judokas et de quelques jeux sauce judo. Je vous laisserai la surprise, ça viendra en son temps. Alors n'hésitez pas à venir pousser les portes du dojo d'Etrepani si vous êtes du coin ou de tout autre dojo, que ce soit en France ou de par le monde. Les judokas sont plutôt sympathiques. Vous pourrez d'ailleurs venir tester directement sur les tatamis, vous verrez, c'est un vrai régal. N'oubliez pas que le judo s'adresse à tous, hommes, femmes, enfants, et ça vous apportera bien plus qu'une simple pratique sportive ou qu'un simple sport de combat. Alors, à bientôt sur les tatamis et sorenade.